Alors bonjour, aujourd'hui on est avec Gélissimo et ils sont là pour nous présenter leurs produits et comment ils utilisent les produits ESD et les applications Fino. Voilà. Bonjour, voilà. Donc en fait cette carte, c'est une carte qui intègre des capteurs, un capteur ST, le capteur Ewok pour ceux qui connaissent, qui est un capteur time of flight de distance, et aussi qui intègre un STM32, le microcontrôleur ST bien connu, et qui permet donc de mesurer très facilement une distance en ajoutant de la valeur au capteur déjà existant de ST, en ajoutant deux protocoles de communication. Donc on va ajouter à l'I2C déjà présent, un mode PWM qui va passer de 0 à 1 pendant une durée proportionnelle en fait à la distance de l'obstacle. On ajoute aussi un protocole UART qui envoie en mode texte, grosso modo, la distance vue par le capteur. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, voilà. On va regarder un peu l'application de votre board. Okay? Avec plaisir. Ok, à tout de suite. Alors, c'est quoi cette démo? Alors, cette démonstration, elle montre les capacités de la carte qu'on présente. C'est-à-dire que cette carte, en fait, elle est par elle-même, elle est autonome, intégrant un microcontrôleur ST et le capteur. En fait, du coup, il suffit de rajouter deux piles et un module de communication. Alors ici, c'est le Bluetooth et on peut communiquer sans utiliser d'Arduino ou de PC. On peut directement communiquer avec le capteur. Et ce qui est très important pour ce capteur aussi, c'est qu'il a la capacité, en fait, d'être chaîné. Chaîné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une application où je voudrais utiliser, mettons, 100 capteurs, là on peut en utiliser jusqu'à 125, je vais être obligé de connecter 100 capteurs sur ma carte Nucléo, sur mon Arduino, etc. Et il n'y a pas assez de broches, d'accord? Donc en fait, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va communiquer avec un seul capteur de la chaîne, qui va être le maître, et ensuite, ce maître va gérer tout seul les 100 autres capteurs, et ensuite, c'est lui qui va communiquer les différentes valeurs qui seront vues sur cette chaîne. Et c'est ce qu'on met en œuvre ici, avec en fait 3 capteurs. Donc on voit en blanc le capteur maître, et en bleu et en rose, les capteurs esclaves. D'accord ? Et ces capteurs-là, du coup, on les met en œuvre dans une espèce de harpe visuelle, d'accord ? Où ça fait un peu de gesture, vous voyez, je passe au-dessus du blanc, je suis capable de voir à quelle distance de l'obstacle, le bleu pareil, et puis le rose, d'accord? Et donc je vois qui passe en premier, etc. Je suis capable de voir si je fais un swipe à gauche, à droite, etc. et à quelle distance. Voilà, et on voit qu'on est connecté à rien du tout, il n'y a uniquement que 2 piles dans le capteur master, ça alimente toute la chaîne, et un module Bluetooth, et c'est tout. Voilà ce que la démonstration fait. Standalone et autonome. Exactement.